Yo les amis, si vous voulez bien se retrouver sur Forgotten, c'est un petit jeu d'horreur, j'espère vraiment qu'il sera sympa, donc c'est parti. Alors, je suis déjà dans une sorte de forêt où on y voit absolument que dalle. Ça va tout le temps se passer dans une forêt, je ne sais pas. Ça me fait penser un petit peu à The Wick, là, que j'avais déjà fait auparavant. Il n'y a pas beaucoup de son là pour l'instant. Ah, il y a une petite lumière. Ok, pourquoi il y a une lumière? C'est certainement le paradis là-bas. Je vais suivre la lumière et je verrai bien où est-ce qu'elle va me mener de toute façon. Moi, tant qu'il n'y a pas des screamers ou quoi qui me tombent sur la gueule. Ah, mais voilà! Donc, le paradis, c'est ça. C'est une maison. Ok, bah, je vais rentrer dans le paradis alors. Il y a une petite porte. Est-ce que je peux l'ouvrir? Ok, je peux l'ouvrir, bien évidemment. Vas-y, je rentre. Ça redevient normal. Voilà. Là, on est bien dans la maison et on y voit bien. Ok, bah la maison est plutôt jolie. Hein. Au premier abord, elle n'est pas du tout effrayante. Des petits tableaux avec des oiseaux. Une maison tout à fait normale avec des fauteuils, une télé. Enfin voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mais est-ce que ça va? Ok, bon voilà. Déjà là, il fait plus sombre. Je comprends pas pourquoi. Et là, nous avons des bougies un petit peu chelou. Les bougies, normalement, c'est censé avoir un petit côté cocooning, tu vois, relaxant. Parce que là, c'est plus des bougies style. On a fait une incantation ou un rituel, tu vois. Les bougies, je peux pas les prendre. Ok, il y a un nounours. Oh, il y a Teddy. Il y a un petit Teddy ici. Est-ce que je peux prendre le Teddy? Absolument pas. Ok, j'entendais pas, c'est horrible. J'entends des putains de pas, les amis. C'est juste horrible, quoi. Oh, ça se rapproche, putain. C'est où? Je pense que c'est à l'étage. Oh, ou alors c'est derrière la porte. Je sais pas, je vais ouvrir. Ah, la porte est bloquée, ok. Ici, il y a une petite feuille. Putain, m'arrêtez ce bruit, c'est trop stressant, là. Oh là là, j'ai cru voir une ombre, là, comme ça. Mais c'est moi. C'est ma vue qui me joue des tours, vous inquiétez pas. Ok, bah, je vais essayer de prendre cette porte-là, alors. Ok, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Ça va, ici, ça va. C'est pas un endroit qui fait peur. Il y a des bougies un petit peu partout. Par contre, j'ai un petit peu la dalle, donc il serait moyen de prendre dans le frigo. Ah, bah voilà, il y a un frigo. Il y avait juste qu'à demander. Par contre, on y voit absolument rien dans le frigo. À croire qu'il y a plus de courant dans cette maison. C'est peut-être ça, hein, c'est pour ça qu'il y a des bougies. Le frigo est totalement vide. Ok, moi qui voulais me faire un petit casse-dalle, c'est mort. Peut-être me rapprocher de ce qui fait du bruit actuellement. Ou alors, est-ce qu'il y a un truc à prendre ici que je n'ai pas pris? Je ne sais pas. C'est possible. Ah, regardez, j'ai sorti un briquet là, non? Je sais pas, il y avait un sort de truc là que j'ai sorti. Regardez, il y a un truc en bas à droite là. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une lampe sûrement. Comment je fais pour l'activer? J'ai aucune idée de comment l'activer, je ne sais pas. Je veux bien que la porte est bloquée, mais qu'est-ce que je dois prendre ici? Génial, je viens de savoir comment on utilise le briquet, quoi. Il faut cliquer sur la roulette. Bonjour, la touche super pratique que personne n'utilise. Est-ce qu'elle va m'aider à avoir des choses? Ah, bah voilà, je viens de ramasser je sais pas quoi, là. Mais purée, c'est vachement puissant quand on a de la lumière, là. Fallait me le dire plus tôt. Et là-dedans, il y a quoi, alors? Il y a rien. Toujours le petit Teddy ici, que je peux pas prendre. Il y a la clé là-dedans, alors. Bizarrement, ici, dans les étagères, il y a rien à prendre. Ok, bah est-ce que je peux maintenant ouvrir la porte? Non, la porte est toujours bloquée. Dans la cuisine, alors dans le frigo peut-être. Dans le frigo, non. Dans l'évier. Ici, encore un petit truc là, non. Est-ce que je peux le prendre? Je sais pas du tout. Allez, ça ressemble à ce que j'avais pris tout à l'heure là. Je comprends pas pourquoi je peux pas l'avoir. Tant pis. Hein. Alléluia, j'ai trouvé la clé. Elle était près du coussin. Il fallait l'avoir, sérieux. Hein. Oh là là. Maintenant, je peux ouvrir cette porte. Génial, je peux enfin ouvrir cette porte pourrie là. Ok. Alors, ici, il y a un évier. Avec quoi dedans? J'ai plus de briquet. Pourquoi? Je suis dans le noir total, les amis. Oh putain. Oh putain, attendez, ça se rallume. Oh. La pièce était pas rouge avant. What the fuck, qu'est-ce qui se passe là? On est rentré dans un nouveau monde là, j'en sais rien. Si je me casse, est-ce que ça a complètement changé? Bah oui, ça a complètement changé. Bah oui, bien sûr. On est dans un autre endroit. Oh, j'entends un bébé. Oh putain, j'ai horreur de... T'inquiète pas, bébé, papa arrive. Si c'est moi le père, hein, je sais pas. Hein. Ne pleure pas, voyons. Même s'il y a des méchants, c'est pas grave, je vais m'en débarrasser. J'ai un briquet. Regarde, bébé, tu es là, mais tu n'es pas là. Mais tu pleures quand même, mais c'est que tu es là, c'est un bébé fantôme. Ah voilà, reste là, petit bébé. Moi, je m'occupe du reste. Hein. Je sais pas trop ce que je dois faire, je suis complètement perdu. Mais on s'en bat un peu les couilles. Surtout que toi, tu sais pas ce qui t'arrive, donc voilà. Alors, je vais ouvrir la porte ici, qui est bloquée, c'est vrai, j'ai oublié. Là, il y a un lit, hein. Je sais pas pourquoi il y a un lit en plein milieu. Il y a une autre porte là qu'on n'a pas encore ouvert. Celle-là, il y a carrément un cadenas dessus. Je vais plutôt me laisser tenter par cette porte là, qui est bloquée aussi. Génial. Où est-ce que je dois aller alors? Il y a forcément une clé quelque part ici. Ah, peut-être près du berceau, non? Peut-être qu'il y aurait une clé près du berceau, ouais, je pense que ouais. Dis-moi, bébé, où est-ce qu'elle est, la clé? Ah, il y a un petit truc qui brille ici, c'est quoi ça? Death baby de je sais pas quoi, Buck Live dessus. Il a besoin de toi. Ouais, en gros, le bébé, il sent ma présence, quoi. Et il aime bien que je sois là. Ah, je veux bien, mais tu m'aides pas non plus, là. Ne pleure pas, petit bébé. T'inquiète pas, Fritos, il est là. Je préférais pas être là, hein, mais bon, on n'a pas trop le choix. Hein. Est-ce que le fait d'avoir activé ce petit texte avec le bébé, est-ce que vous pensez que maintenant, je peux aller autre part et qu'il va se passer quelque chose? Ou est-ce qu'il y aurait une clé qui aurait apparu? Ah, mais voilà, il y a une clé ici. Parfait, je suis pas sûr qu'elle était là avant. Donc, je peux peut-être ouvrir le cadenas ici. Ah, non, c'est pas cette porte là, ok. C'est celle là alors comme porte? Non, non plus. Ça doit être l'autre là-bas. Alors, forcément, hein. Voilà, c'était cette porte là. Je vais l'ouvrir. Je sais pas s'il y a un monstre dans le jeu en fait. Je sais pas, ou si on est complètement seul et qu'on doit juste se débrouiller. J'entends toujours le bébé par contre. Ouah, comment voulez-vous que j'arrive à voir même avec un briquet là-dedans? C'est chaud. On est où là? Dans un sorte de garage ou je sais pas quoi? Il y a des bruits chelous. J'aime pas ça du tout. Oh putain, j'ai l'impression que plus j'avance. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas au bout? Oh là 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 là,
il y a des frigos partout, on est dans le monde des frigos ici les amis, putain. Il y a un biberon, j'ai pris le biberon pour le bébé. Je me casse maintenant, c'est bon, j'ai le biberon, moi je me taille hein. Vous pensez vraiment que j'allais rester là ou quoi? Vous êtes fous? Non, 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 moi je dégage, il y a des bruits chelous et tout. Attends, j'arrive petit bébé, il est en train de pleurer, ça tombe en train de lui faire du mal là. Ah, je suis là petit bébé. Voilà, je lui ai donné le biberon apparemment. Et là, bah, il a l'air content, comme on peut constater ici, il y a le biberon qui est là. Donc voilà, magnifique, le bébé est content, il a eu son petit biberon. Ok, bah du coup, il y a encore d'autres portes à débloquer. Est-ce que je dois prendre pour pouvoir les débloquer maintenant? Est-ce qu'il y a une nouvelle clé qui est apparue? Mais oui, voilà, magnifique. On commence à comprendre le système. Donc c'est cette porte-là, j'imagine. Parfait. C'est bon, je commence à rentrer dans le bain. Oh, encore une pièce chelou, c'est bon là. Il y a eu un rituel ou un maraboutage ici. C'est quoi ce prix? C'est une femme. Ah, par contre, les bébés. Ok, tu vois, les bébés qui ressemblent vraiment à un cri de bébé, ça va, tu vois. Mais les cris de femmes comme ça qui pleurent. Là, j'ai pas de cachet que je commence à avoir des frissons et que ça me plaît pas du tout, en fait. Hein. Donc, si tu voudrais bien, madame, un petit peu baisser le son, tu vois, voilà, histoire que je sois pas trop stressé. Oh putain! Mon bébé! J'arrive, Pépitos, t'es où? Pépitos, non, attends, papa, il arrive là. J'arrive, j'arrive. On lui a fait du mal, le bébé. Oh putain, merde! Oh, on a tué mon bébé! On a tué Pépitos! Et j'ai ramassé la clé. J'ai trouvé le bâtard qui a fait ça là. Je vais le trouver, les amis, le bâtard qui a fait ça, vous inquiétez pas, je vais l'ouvrir le cadenas ici. Je vais lui faire la peau. Allez, on ouvre la porte ici. On va tomber sur quoi là? Oh putain, je suis chaud patate là, mais tu vois, en fait, je suis chaud et pas chaud à la fois. Je sais pas trop sur quoi je vais tomber. Il y a un trou géant, il y a encore du sang ici. Oh merde, on entend la femme. Oh putain. Oh là là, il y a un autre berceau, c'est quoi cet endroit? Ça tombe, il y a un psychopathe si je vais là-dedans. C'est le toboggan les amis. C'est un trou noir aussi surtout en fait. What the fuck, ça mène où ça? Ça mène réellement vers le paradis cette fois-ci? Peut-être que je m'étais trompé d'endroit, j'étais en enfer. Et là je retourne dehors. What the fuck. Ok c'est bon, je suis dehors et là il y a un grand truc. Ok what? Ok, il fait absolument noir. Je ne vois plus rien et je sais pas si le jeu est terminé. Peut-être que j'ai terminé le jeu en fait. Ah non, quoique non, je suis dehors en fait. Si je prends ça c'est quoi? Ok, je sais pas ce que c'est. Je sais pas quoi, blablabla. Ouais bah les amis, là je sais plus du tout si je dois aller à un autre endroit hein. Franchement je sais pas. Une sorte de bâtiment ici, c'est super long d'ailleurs. Il y a pas de porte, pas de fenêtre, c'est très bizarre. Ah si, il y a des fenêtres. Ok, yeah, it's really nice to you. Je vais essayer d'atteindre la porte si on a une. Ok, un cimetière, c'est génial. Franchement l'ambiance est superbe ici, la joie de vivre tout ça, bonne humeur toi tu sais. Ok, je rentre dans un cimetière, me dites pas que l'entrée est par là. Ah si, il y a une porte ici que je peux ouvrir, génial. Ça nous fait donc un nouvel endroit à visiter. Ok, je sais pas combien il y en a d'endroits. Ok, la porte est bloquée. Cet endroit là est vachement plus agréable hein. Plein de lumière et tout, franchement le top. C'est la Bible. Ok, c'est la Bible là, donc on est dans une église. Excusez-moi si j'ai pris du temps avant de m'en rendre compte. Je vais ouvrir toutes les portes. Ok, les portes sont bloquées. La porte est bloquée aussi. La porte est bloquée aussi. La porte est bloquée. La porte est bloquée. Ouais, bah je ne sais pas où je dois aller. Je sais pas où trouver la clé. Où est-ce qu'elle est la clé alors? Ah, il y a une porte là, c'est bon. J'en ai ouvert une. Forcément y avoir des clés ici. Ok, press E to read. Ah non, je comprends pas. Ceux qui comprennent, bah tant mieux. Forcément y avoir une clé ici. Ou pas du tout, non. Alors sur le bureau, il y a une clé là, c'est bon. Voilà, petite clé, parfait. Hop, je peux encore lire, ok. Allons débloquer une porte. Celle-là, est-ce que je peux la débloquer? Ouais, c'est bien celle-là que je pouvais débloquer. Ok. Oh putain, merde. Oh putain, ça m'a fait peur. Arrêtez les gens, quoi. Pendu dans une église, c'est chaud quand même, quoi. C'est la femme de tout à l'heure, vous pensez? Oh merde, putain, je suis pas rassuré du tout. Et il y a une clé ici. Ok, je prends la clé. Et ça, c'est quoi cette merde? Dexlock box, je sais pas quoi. Ok. Avec un code digital. Ouais, ok, mais le code, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Oh merde, je suis en train de rentrer des conneries là. Merde. Bon, il faut que je trouve le code. D'abord, je vais partir d'ici parce que c'est vachement glauque. Et je vais aller ouvrir une autre porte. Voilà, parfait. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est bon, c'est un endroit plutôt calme. On a eu pire avec l'autre pièce là. Alors, la clé ici, où est-ce qu'elle est? Le jeu est relativement long en fait. On sait pas, donc du coup, je vais essayer de me dépêcher. Là, il y a des hamburgers. La clé, est-ce qu'elle est quelque part ici? Il y a une petite lettre. Ok, je la prends. Ici, il y a un micro-ondes que je ne peux pas ouvrir. La clé n'est pas là. Fait chier. Par ordre chronologique, les chiffres sont 5 et 7. Ok, 5 et 7. Et je dois me souvenir du reste. Je vais essayer de retenir ça. J'ai ouvert une autre porte, les amis. Les autres chiffres doivent être ici. Oh, il fait super sombre. Oh, ça me dégoûte, putain. Il y a plein de mouches partout. C'est quoi ce truc de merde là? Ah, il y a forcément quelque chose à lire ici. Bah oui, génial. Alors, c'est quoi ça? 5 et 7. Ok, c'est le même papier. Et celui-là, alors, c'est le reste. 5 et 7, 5 et 7. Mais arrêtez, putain. Il y a que des 5 et 7. Je vois pas en quoi ça m'aide, hein, honnêtement, là. Pas me dire la même chose que tout à l'heure. Il faut que je trouve un autre endroit. Ok, c'est bon. Alors, vite, vite, vite. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a rien, non? Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un aux toilettes là? Il y a un papier ici, parfait. 5 et 7. M'arrêtez, je vais péter un câble. On peut pas ouvrir les toilettes. Oh putain, il y a quelqu'un qui va me tirer la chasse. Oh bordel de merde. Oh bordel, c'est qui est là? C'est qui est là en train de chier? Oh putain, je suis pas rassuré là. Il y a le psychopathe de l'endroit qui est là en fait. Il a coulé un bronze là. Je pensais que je l'avais pas vu. Je vais me casser de là, tant pis, on va le laisser au chiot. De toute façon, on dérange pas quelqu'un qui est aux toilettes. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir cette porte? Voilà, parfait, ça enchaîne. Il y a d'autres toilettes ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là dans les toilettes? Non, non plus, je ne peux pas ouvrir les portes de toute façon. Ok, bah je vois pas ce qu'il y a de spécial dans cet endroit. Il y a même pas un seul petit papier. On va enchaîner avec une autre porte, c'est pas grave. Faut que je trouve la porte restante. Il va encore y avoir une ou deux portes, je pense que j'ai pas ouvert. De toute façon, on a jusqu'à voir les portes qui sont
sont fermées. Ah, celle-là peut-être. Voilà, magnifique. Un escalier, me dites pas que c'est une cave là. Endroit le plus glauque qui soit dans un jeu d'horreur, quoi, s'il vous plaît. Moi, tant que je trouve les deux autres chiffres là, ça me convient parfaitement. Comme ça, je peux me casser de là. Vite fait. Allez, hop, j'ouvre cette porte là aussi. Oh, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, là-dedans peut-être. This is the end of this level so far. Ok, what the fuck. C'est moi, il me parle de la fin du jeu. C'est la fin de ce niveau. Sauf à... Ah, donc peut-être que le jeu il se termine là en fait et que je peux plus avancer, je sais pas. Je vais remonter en haut alors. Peut-être qu'en fait je peux pas terminer le jeu. Je pense que ça doit être ça. Hein. J'ai absolument tout ouvert les amis. Donc je pense que j'ai terminé le jeu et qu'il est impossible d'avoir les deux chiffres qui me manquent parce que j'ai été partout. Ouais, mais en tout cas non les amis, c'est bon. J'ai pas trouvé les deux autres chiffres et je pense qu'en fait il y a pas moyen de les trouver. C'est un jeu qui est en bêta. Du coup non, je ne peux pas terminer le jeu. Mais bon, ce qui est sûr c'est que j'aurais quand même été assez loin dans le jeu. C'est vrai que c'est un jeu qui fait pas si peur que ça. C'est plutôt l'ambiance oppressante qui est présente, mais il y a pas de monstres, il n'y a pas eu de screamer, plus des bruits, tout ça. Donc voilà, ça m'a quand même mis mal à l'aise, mais il n'y a pas eu de screamer. Ça m'a pas vraiment fait une grosse peur, tu vois, j'aurais été surpris. Bon, ça reste sympa. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Je connaissais pas ce jeu là. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce petit jeu, bah, s'il y a une suite et que c'est moi qui ai arrêté un petit peu trop prématurément. Mais voilà, moi, tout ce que je retiendrai dans ce jeu là, c'est qu'on a tué mon bébé. Je suis un petit peu dégoûté. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Sur ce, ma famille, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes comme toujours, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien et ciao, ciao tout le monde.